bonjour. Je vous présente le nouveau Husky. Le voici, le nouveau Husky de Prinot, disponible chez les équipements Plan Nord. Franchement, les gens de Prinot ont fait un excellent travail. Et la cabine a été complètement redessinée. Cette lumière OLED procure une excellente luminosité pour le travail de nuit. La lame avant est toujours multifonction. Le bloc valve est au-dessus de la lame, ce qui permet l'accès plus facile. Les cylindres sont plus droits, mais permet une meilleure solidité de la lame, meilleure poussée de neige. Les miroirs extérieurs sont ajustables de l'intérieur. Il y a deux prises d'air, une prise d'air pour la cabine et une prise d'air pour le moteur. Pour la cabine, mais ça permet en gros d'avoir moins de condensation à l'intérieur de la cabine. Toujours 4 sorties hydrauliques à l'arrière. La forme assez spacieuse. On a un nouveau moteur là-dessus. Un 228 force de Mercedes. 4 cylindres. C'est le premier tiers 4 final au monde, donc il fonctionne à l'urée. Il nous permet de rejeter moins de 90% de gaz à effet de serre comparativement à l'autre d'avant, le modèle précédent. On rentre à l'intérieur, on voit le bain pneumatique qui est chauffant. Alors on va monter. Toujours une très bonne visibilité, arrière comme avant. Une double essuie-glace sur la vitre arrière. On met un meilleur balayage de la vitre. Là, on ferme la porte. Vous voyez l'insonorisation. La cabine qui a été grandement améliorée. On va partir la machine. Alors le volant, toujours la conduite avec volant. Mais on peut l'avoir en option aussi avec les deux petites manettes du bras gauche. Toujours le pédale en bas pour ajuster le volant. Nouveauté, il y a un autre ajustement ici, dans le milieu du volant, ce qui permet de casser la colonne de direction et de l'avoir télescopique, ce qui nous permet un meilleur ajustement du volant, l'avoir le plus près possible de la cuisse. Ce bouton bleu ici, c'est pour le reculon. Ensuite de ça, on voit l'ergonomie de la machine. Ben, beaucoup plus confortable. La manette ici, c'est sous ça. Tous les autres commutateurs sont pour lorsqu'il y a un conditionneur de neige. Mais les quatre sorties hydrauliques sont sur le joystick ici. Il y en a quatre. Il y en a deux par mini joystick. Et ça, c'est la roulette, le potentiomètre de vitesse. L'écran 7 pouces pour une convivialité. Toutes les fonctions sont à l'intérieur de ça. Ensuite de ça, il y a toujours une nouveauté cette année, le régulateur de vitesse ou cruise control. Ça, c'est bien plaisant pour les longues nuits de travail. Alors, on va partir la machine. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très silencieux. Vraiment, il y a toujours les vitres avant chauffantes, de côté chauffantes, sortie d'urgence. Et les vitres de côté, les vitres s'ouvrent des deux côtés, soit en avant et en arrière. Alors voilà, il est disponible chez les équipements Plan Nord. Je vous invite à venir faire un tour et à venir en faire l'essai. Merci.